Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Les pays africains devraient commencer à songer quitter la francophonie. C'est simple. Quitter la francophonie, ce n'est pas une organisation qui nous est bénéfique. C'est une organisation qui est là pour maintenir l'hégémonie de la France, uniquement de la France. Donc, tout Africain digne de ce nom devrait commencer à réfléchir sur comment quitter ce non-sens. Tout Africain digne de ce nom devrait commencer à réfléchir sur comment quitter le Commonwealth. Ce n'est pas pour nos intérêts. Ça ne nous est jamais bénéfique. C'est essentiellement bénéfique pour les pays qui nous ont colonisés. Comment c'est qu'ils nous ont colonisés, qui nous ont imposé des choses, qui nous ont volé, qui nous ont spolié, qui nous ont martyrisés, qui nous ont massacrés, qui a commis des génocides chez nous, qui continuent à maintenir le néocolonialisme et l'impérialisme chez nous, peuvent organiser des choses comme ça. Et nous, on est dedans, tranquillement. Les amis, un certain Noubou Kakikou, il s'appelle Kakiku Noubopo, j'espère que je prononce son nom, qui travaille à la francophonie, s'est prononcé au sujet du franc CFA. Et ce que la France a trouvé à faire, les amis, c'est de le licencier purement et simplement. Je vous suggère d'écouter son intervention au sujet du franc CFA. On dit que le franc CFA est une bonne chose sur le plan économique. Mais quand vous observez, nous n'échangeons pas entre nous. Quand nous prenons la part des échanges intracommunautaires, elle ne dépasse pas 15%. Au sein de la zone euro, elle dépasse 60%. Or, si vous n'échangez pas entre vous, vous n'avez pas de raison de partager la même monnaie. Parce que l'intérêt d'avoir la même monnaie, c'est d'éviter les risques de change et les coûts de transaction. Puis vérité. Donc, à quoi ça nous sert de garder le CFA si nous n'échangeons même pas entre nous avec ce franc CFA? Et pire encore, même la France, qui garantit soi-disant ce système, n'échange pas en priorité avec les pays de la zone franc en Afrique. Les trois premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique sont le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Aucun des pays de la zone franc. Okay. Donc c'est une arnaque. Qu'est-ce qu'il a dit dans cet extrait qui n'est pas vrai, les amis? Je vous connais intelligent. Qu'est-ce que M. Kakou a dit qui n'est pas vrai dans cet extrait? À quoi sert le franc CFA? C'est une banditisme, c'est une arnaque. C'est une monnaie criminelle. C'est une monnaie créée par De Gaulle pour maintenir les pays africains sous la jupe. Sinon, pourquoi ils ont tué, pourquoi ils ont enlevé Modibo qui était au pouvoir? Pourquoi ils ont enlevé M. Olympio au pouvoir? Pour mettre le Séjan, Ndiassimbe et Yadema. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Donc, si c'est une bonne chose pour les Africains, pourquoi est-ce que la France, de façon systématique, s'acharne sur les gens qui disent qu'il faut sortir de cette histoire de France CFA? Les amis, est-ce que vous savez que pour commercer avec l'Afrique de l'Ouest, les pays de l'Afrique centrale qui utilisent le franc CFA, pour commercer avec les pays de l'Afrique de l'Est, il faut passer par le dollar et l'euro? Je répète, est-ce que vous êtes au courant que pour commercer avec la Côte d'Ivoire, il faut utiliser l'euro ou le dollar? Vous voyagez pour aller en Côte d'Ivoire ou un pays de l'Afrique de l'Ouest, alors que nous tous, on utilise le franc CFA. Il faut plutôt utiliser cette monnaie pour commercer avec ces pays. Comme M. Kakou a dit, il faut utiliser une autre monnaie. Donc, ça sert donc à quoi cette zone de franc CFA? Ça dit qu'on fait deux francs CFA, on divise un peuple, on ne veut pas qu'ils commercent ensemble. Et ce qu'il dit là, c'est la pure vérité. Les chiffres ne mentent pas. Je répète, les chiffres ne mentent pas. Un, c'est un. Deux, c'est deux. Quand c'est trois, c'est trois. Les premiers partenaires africains de la France sont qui? Il a bien cité. Vous avez le Nigeria, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez l'Angola. L'Angola n'utilise pas le franc CFA. Le Nigeria n'utilise pas le franc CFA. Je crois que l'Angola, c'est le Kwacha, je peux me tromper. Le Nigeria, c'est le Naira. L'Afrique du Sud, c'est le rand. Donc, ces pays qui n'utilisent pas la monnaie que la France a créée pour ces anciens esclaves, ces anciennes colonies. Et que cette France-là n'arrive, ne veut pas faire des affaires avec ces pays-là. Parce que la France fait des biens contrefaits et inonde le pays et passe son temps plutôt à piller ce pays-là. Donc la France fait des vraies affaires avec le Nigeria, avec l'Angola, avec l'Afrique du Sud. Et quand ils disent ça pour dire que la monnaie qu'on appelle franc CFA ne sert absolument à rien. Parce que si une monnaie est créée, pourquoi? Comme l'euro, par exemple, 60% d'échanges en Europe, comme il a dit, c'est en euros. Donc, pourquoi est-ce qu'on nous crée une monnaie et qu'on ne peut pas
faire des affaires avec, échanger économiquement avec. Pourquoi? Poser cette question, c'est de bon sens. Ça dit que c'est quelqu'un qui veut savoir. Chez nous, je suis Ngui. I'm from Ngui. Ekona man. Mamène à man. Messi ni, Messi zi, Messi no, akili ye, akili yes. That's me. Si vous dites qu'on est ensemble et que voilà un objet qu'on a créé pour tout le monde et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas utiliser, d'autres peuvent utiliser et que vous avez scindé les gens, 6 personnes peuvent utiliser ça, les autres 6 personnes ont leur autre objet, mais c'est la même chose et ils ne peuvent pas, pour utiliser, il faut passer par. Mais vous ne comprenez pas quelque chose, les amis. C'est du vol, c'est le banditisme. Le franc CFA, c'est un gros, c'est-à-dire que c'est de l'arnaque. Et M. Kakou le dit, il est licencié, limogé de la francophonie. M. Abdou Diouf, avez-vous entendu parler de cette histoire? M. Macky Sall, vous qui défendez la France. M. Alassane Drama Ouattara, pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas faire les affaires avec le Cameroun, avec le franc CFA? Pourquoi les pays africains qui utilisent cette monnaie-là ne commercent pas ensemble? Donc la monnaie commune, ça sert donc à quoi? C'est un torchon, le franc CFA. Ça ne sert absolument à rien. Les pays africains, francophones, pour avoir leur souveraineté, doivent quitter de cette zone de franc CFA, les amis. L'euro, par exemple, en Europe, les Français font les affaires avec les Allemands, avec cette monnaie. En Roumanie, partout en Europe, avec cette monnaie. Le franc CFA, la Côte d'Ivoire ne peut pas faire les affaires avec cette monnaie, avec le Cameroun. Le Togo, exactement. Mais attendez, pourquoi diviser le peuple comme ça? Et vous avez des esprits faibles qui vous expliquent, non, quels sont les dangers des sorties des Français? Vraiment, ça représente, il y a une garantie, le fonds de stabilisation, la France ne veut pas laisser cette monnaie, la France utilise cette monnaie seulement pour nous appauvrir. Il est temps de sortir de ça. C'est le vol, c'est de la naque. De Gaulle n'a jamais aimé les Africains, les élites françaises n'ont jamais aimé les Africains. Les élites françaises ont toujours considéré les Africains comme les moins que rien, les sous-hommes. Ils ont toujours considéré l'Afrique comme là où il faut aller puiser la matière première pour développer leur industrie. Ils ont toujours considéré l'Afrique comme un élément qui les donne la puissance. Ce n'est pas comme des amis. Nous ne sommes pas leurs amis, les amis. Mettez ça dans vos têtes. That is what you have to put in your head. Ya Medulla Oblongata to take that in consideration. These people do not consider us as friends. They consider us as butch people, as savages, as people they can exploit to maintain their standard of living. And we say no to that. Vehemently say no to that. Nobody should accept a thing like that. It's high time African countries that are using this criminal money called franc CFA should leave this zone. It's not, I don't understand. Why will you create the money people are using? You say the same money is in West Africa. West African can't buy and sell with the money in Central Africa. Central African can't do same. And then you say you are maintaining the stability of the money. C'est de l'esbrouf et de l'escroquerie politique, les amis. Même économique à la limite. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.